Yo, now in tune. You now in tune. You now in tune with the corrupt novelist. Not novelist. Novelist. Not novelist. Novelist. You now in tune with the corrupt novelist. Not novelist. Novelist. Not novelist. Yo, you now in tune with the corrupt novelist. Not novelist. 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 Yo, permanent summer, hotter than July, like a Biggie Smalls Hummer getting shot in the side. I'm like, my, that's a tough way to go. Looking salty like you shoveling snow. Y'a pas pire déshonneur qu'être le parent d'une pute. Le pasteur a pris la fille, il est parti avec l'argent du culte. Cette idée m'est venue, c'est quand j'ai attendu le bus. J'ai dit demain je fais un banger avec l'accent du sud. On est en onde, Julien. Non, fais pas ça, on est en onde. Ah bon, ben, ok, bon. ça va faire. Ça coulait. Ben là, c'est pas sûr. Non. J'avais. Julien, c'est pas le moment. Le meilleur gag. Non. Que j'avais jamais écrit. C'est pas un gag, on est en onde, c'est pas le temps. On peut pas faire ça. Tu peux le faire parce que là. Non, c'était aujourd'hui. Évidemment. C'était là. Là, on met un terme à ça. Là, ça va faire. Yes, sir Miller, décidérez, millième émission. On est de bonne humeur, on est content. Tout le monde est. Il y a de l'énergie, là. Il y a du sourire dans la voix. Tout le monde est blanc, tout le monde c'est un gars. Tout le monde sent. C'est parfait de même. Il y a personne qui a pris sa douche, j'espère. Ouais. Ouais. On va pas le temps de prendre ma douche. All right. Moi, je l'ai pris. Ouais, ouais. Toujours moi qui. Mais lui, il boit pas, Étienne. Non. Et voilà, on est très content. Étienne Forêt, là. Eh oui. Comment ça. Ah, ça va bien, une bonne douche. Pris beaucoup de place à date. Tu veux-tu animer l'émission à l'avenir ou. Oui, donc. C'est ça. Vous êtes à Décidérez. Merci d'être là, tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit Julien Bernatchez. Bouh! Bonne chance de faire le meilleur job que moi. En tout cas. Ensuite de ça, évidemment, Mathieu Niquette est là. Oui, je suis là. OK, ensuite de ça, Maxime Gervais est là. Ouais, il est magané. Un peu magané, Maxime, un matin. Je suis magané, honnêtement. Là, je suis magané. Il y a une bonne raison. Oui, on revient dans deux minutes, mais oui, non, je suis. Je sais pas comment j'ai réussi à me lever. Sincèrement, on est toujours surpris. Ouais, moi aussi. Mais j'y arrive toujours. Ça arrive une fois en 6 ans. Moi, je m'en venais à vélo dans le matin Hochelaguet, là. Puis là, il y a l'espèce de fin de nuit, tu sais, qui rentre. Là, je suis Tu deviens comme Jake. Ouais. Dionyse. Wolverine. Marc-Antoine Maire est là. Allô! Comment ça va? Ben, étrangement, ça va A1, mais. T'es-tu déjà venu à l'émission, je m'en rappelle? Trois fois. Ben, genre trois fois. Ouais. Ok, bon. Pour de la lutte. Spécial lutte. Ouais. Ah, spécial lutte. Okay. Benjamin. Ouais, je réécoute pas les spécialistes. Ouais, on dit encore. C'est les meilleurs. Ben, non, oui, c'est les meilleurs. On comprend rien, nous autres. Ceux qui les aiment, les aiment. C'est comme ça que je le vois, là, mais tu sais. Moi, je les skip aussi. C'est SummerSlam le 20 août. Et moi, je les écoute. Yes, SummerSlam le 20 août. Et Guillaume Boldoc est là, évidemment. Yes, salut Julien, ça va. Comment il va? Va bien, il va bien. Guillaume habite toujours avec Sophie. Comment elle va, Sophie? Non, elle va bien. Elle nous aime plus. Probablement rentrée. C'est quoi son petit problème, elle m'instruit? Elle travaillait. Non, ouais, je sais pas. Fini plus, ça? Étienne, voyons. Tu demanderas. On parle pas des menstruations des filles. Non? Quoi qu'on parle? Fait que. Ben, tous les sujets qui incluent pas ça. J'avais mal compris le spécial. Oui. Fait que là, vous. Donc, quand une fille est menstruée, est-ce que vous couchez avec pareil? Oui. Ben, ça dépend laquelle. Ta femme, oui. Non, ta femme, oui. Les autres, non. Okay. Pas les autres. Non, moi, je fais pas ça. Étienne, t'es en mode Radio X ce matin. On aime ça. Ça va de mon temps. C'est agréable. Toi, ma mère, une fille qui a ses règles. Ben, de base, faut la connaître. Puis par la suite, on verra. Non, mais je parle à quelqu'un que vous connaissez, là. Je sais. Oui, votre blonde. Votre blonde. Je veux coucher avec votre blonde quand elle a ses règles. Toi, quand tu rencontres une femme menstruée, tu couches-tu avec? Ben, moi, oui, mais ça, c'est pas. On met tout Julien.
C'est ça qui arrive. Je couche avec juste quand t'es ouais, c'est ça. Exclusivement. Trois jours par mois. Ça va aujourd'hui. Ah, je sais. On devrait arrêter. OK, on recommence. Meilleure émission ever. On recommence au début. On fait comme si on parlait à l'envers. Ouais, ça, c'est bon. On a une belle excuse pour être dégueulasse, là. On va y revenir. Et on est avec nous, évidemment. De Nicolas. Bon. Oui. Qui veut nous parler de la Formule 1, j'imagine. De Nicolas est là. Oui. Quand allez-vous, M. Coder? Très bien, vous autres aussi. Oui, ça va bien. Ben, bon, je savais pas que vous seriez là aujourd'hui, mais ouais. Ben, il y a la Formule 1, évidemment, qui fait beaucoup de. Fantastique. Ça fait pas une misère à vous rendre ici? Non, du tout. Les transports en commun sont gratuits. Ça, c'est vrai. Ouais. Les vélos, alors, c'est un beau, très beau week-end. Les vélos sont gratuits en fin de semaine? Les taxis sont gratuits en fin de semaine. Les autobus et le métro, c'est fantastique. Tout le monde est content. Hier, j'avais une idée de statut de Formule E, puis je l'ai pas faite. C'était Formule E, tu sais, E-U-H, trois petits points. J'ai déjà vu ailleurs, ouais. T'as bien fait de pas l'avoir, c'est ça. Moi, je cherchais une joke de I, tu sais, de la I. Ah, ouais. C'était bon, ça. Et t'écris E, là. Mais c'est dur, c'est dur à catcher à l'écrit. Ouais, faut que je joue comme bof. Voyez-vous, c'est un événement qui fait parler de Montréal partout sur les réseaux sociaux. Oui, clairement. C'est fantastique. C'est pas mal juste de ça que ça part. Oui, vous dites que ça nous met sur la map, mais on dirait que tout le monde s'en calisse, la Formule E, en fait, ou même ça choque les gens. Les gens veulent pas ça. Ah, c'est pas l'écho qu'on a de nous. Les gens sont très contents. La ville est dégueulasse. On peut pas aller nulle part. Bloqué, tout le monde se fait chier. Écoutez, pas plus tard qu'hier, il y avait monsieur Titanic, monsieur Leonardo DiCaprio qui était là. Monsieur Titanic. Oui. C'est fantastique. Bah, ben, oui, absolument. Ça fait parler et moi, je prédis un bel avenir à cet événement-là. Je pense même qu'on pourrait être la capitale mondiale de cet événement-là, qui est complètement 100% aussi écologique. Bon, on a dit ça aussi le 10 ans avec les Out Games, c'est arrêté après une édition. Non, mais là, ça s'était tremblé. L'administration tremblée, moi, je peux pas. Puis pourquoi ça se passe? Pas sur la piste de course qu'on a. Ça nous aurait coûté 24 millions de plus. C'est, les gens paniquent avec les murets et les coûts, mais c'est l'investissement, c'est pour plusieurs années. L'an prochain, on va pas les refaire, les murets, ils vont exister déjà. Ouais, mais la ville est paralysée, c'est fantastique. Là, c'est pas... Non, parce que les réseaux en transport en commun sont gratuits et les gens sont souriants. Je suis venu ici moi-même en métro et les gens me serraient la main. C'est fantastique. Non, mais comme la presse, en fait, un reportage de votre effet cette semaine, justement, disant que vous-même, vous possédez deux gros SUV là, qui polluent dégueulasse là. Oui, mais écoutez, je les utilise pratiquement pas. C'est plus c'est ça, oui. Parce que mes enfants font du hockey, mais sinon c'est fantastique là. Oui, ça l'est fantastique. Oui, ben, merci beaucoup, M. Coder. Bien évidemment, on est quand même assez privilégiés de vous avoir, évidemment. Ben, merci. Le début d'émission. Ben, c'est comme ça. La fin, par exemple, tu vas voir. Et voilà, alors sinon, ben grosse nouvelle brève. J'avais un personnage aussi. Ah, excuse, pardon. C'est ben non, c'est correct. Allez-y, et nous avons avec nous, évidemment. Colin Lacrosse. Bon. Ben oui. Bon. Ça, c'est quoi ça? Je savais que ça allait faire une réaction ici. Hein. J'ai vu le niveau avant le début de l'émission. Mais, oui. Ben, je suis venu vous parler d'un petit projet. Je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de filles autour de la table. Ça s'adresse principalement aux femmes. D'ailleurs, on a donné beaucoup d'emplois aux femmes dans la Formule 1. Je sais. J'ai fait du repérage. En tout cas, je vous en parle plus tard. Monsieur Coder, quand votre femme a ses règles, si vous couchez avec elle quand même. Fantastique, oui. Et c'est. Fantastique. Il y a juste 3-4 personnes qui chialent à chaque fois. Moi, je veux juste dire à M. Coder que j'approuve tout ce que vous faites, M. Coder. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Souvent, les médias vont se concentrer sur le 3% criard, mais sinon, 97% des gens sont satisfaits, ils sont contents. Les gens vont se plaindre quand vous faites rien, les gens vont se plaindre quand vous faites de quoi. J'aime autant que vous faites de quoi. Ouais. Puis d'ailleurs, j'aimerais encourager les gens à aller à la ronde aussi, parce que je veux vous rappeler que l'accident de manège était dans une fête foraine, alors que la ronde, c'est un parc d'amusement. Oui. Et c'est très bien. Moi-même, j'y vais dans tous les manèges. C'est quoi votre préféré? Ah, moi, définitivement la pitoune, mais. C'est fermé, malheureusement, mais je pense qu'on va. Pourquoi vous avez fermé la pitoune, M. Coder? C'est quoi le problème? Écoutez, on a pensé de recréer la pitoune sur le boulevard Paul Lévesque l'été 2018. Alors, c'est de la vision, c'est bon, fantastique. C'est une vision incroyable. C'est fantastique. Une vision incroyable. C'est quoi de le dire? Enfin. Ben, les 375e bas sont pleins. Décidera donc, grosse nouvelle brève, évidemment. Ben, je vais laisser peut-être Maxime l'annoncer, pourquoi pas. D'accord. Alors, très chers amis,
Hier se tenait le party de clôture de ZooFest. Oui, et vient un grand festival dans lequel on a présenté la Ligue d'impro des Picbois, le show 3X. Bon, on a eu vraiment du fun, le public était au rendez-vous. Et là, hier, c'était la remise des prix. Il y a des prix remis par ZooFest. Puis tu sais, nous autres, on y va, là, ça fait déjà plusieurs années. Puis tu sais, on n'est pas réputé pour gagner des prix dans les Picbois. Et là, hier, sous le coup de l'émotion, ça, on a reçu. Et là, je l'ai. C'était avant qu'il y ait un nouveau gérant. Il va pleurer. Je l'ai ici. Regardez ça. Le prix du public. Est-ce qu'on peut le voir? Z. Est-ce qu'on le voit à la caméra, Julien? Oui, on voit à la caméra clairement. Le prix Richard Z. Le prix de les zigotons. Le prix, au meilleur, le prix donné au meilleur moustachu. Donc, on a reçu le le prix coup de cœur. Ce cœur oui. Maxime, qu'est-ce que c'est le prix coup de cœur? Pour la Ligue des Pro, ben en fait, c'est les gens c'est qui le allaient voir les gens qui allaient voir au moins trois spectacles étaient invités à voter pour leur spectacle préféré. Puis écoute, on l'a remporté. Fait que je crois qu'on peut dire que c'est la première fois qu'on a une, cette espèce d'hommage. Puis ce qui m'a. Je vais être franc, là, en allant le chercher, j'ai pleuré. Ben oui. C'est qu'il y a tellement eu une grosse réaction de la part de nos collègues puis de tout le monde qui était réuni. Là, c'était vraiment comme. On sentait une espèce de crise, il était temps, tu sais. Ben oui, absolument. Fait que hier, ça a été beaucoup d'émotions par rapport à ça, puis je vais en profiter pour remercier Monsieur Coderre. Merci. Ben, sans qui rien parce que sans Montréal, sans le sans l'effervescence. Ouais, si Montréal n'existait pas. Bon, Montréal a toujours encouragé ce genre d'événement. On est très fiers du ZooFest. Exact. Mais venu voir le show, Monsieur Coderre. Je suis venu voir deux fois et d'ailleurs j'aurais une petite annonce tantôt concernant ce show-là. Ah d'accord. Bon, ça doit être mêlant une discussion de Coderre puis Gilbert Rozon. Mais ouais, je vais remercier ben toi Julien qui a joué dans le spectacle. Merci, Maxime. Fidèlement avec nous autres. C'est moi qui vous remercie. Jonathan Ranger, Linda Bouchard, Jonathan Bélanger, notre gérant Étienne Forêt. Avez-vous ça? 6 ZooFest, pas de prix. 7e ZooFest avec moi. Et voilà. Je pensais que t'étais votre géant, comme le chanteur. Ouais, sauve-toi pas. Sauve-toi pas. Quimble ton prix. Ouais, je l'avais caché dans l'armoire. Quand Forêt rentre en place. Et voilà. Fait que voilà, ben, je vais aussi en profiter pour remercier. Il y a plein de fans de Décideret qui sont venus voir le show. Ben oui. On va jaser avec eux autres après. Puis, ben, tu sais, merci d'être venu puis d'avoir fait l'espèce d'engouement autour de ce spectacle. Non, fait que voilà, on vous embrasse. On peut se dire qu'on s'en crise des prix, mais tu sais, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui. Mais non. C'est la consécration auprès de, justement, comme tu le dis, de nos collègues, de l'humour, exact. De tout ça. Les Picbois, ça reste une entreprise do-it-yourself, tu sais, 100% indépendante. Fait que c'est encore plus cool de savoir, tu sais, on n'a pas de méga machine publicitaire, là, on n'a pas des affiches géantes dans la ville. Fait que nous autres, on fait tout ça. Puis, c'est ça, on est vraiment contents. Puis le prix du public, en plus, tu sais, ça a une grande valeur. Ben, d'ailleurs, je suis ici un peu pour vous annoncer ça. Arrête donc. Ah oui, tout à fait. Le prix du public cette année venait avec un privilège. Non. Je vous annonce, qu'en l'été 2018, on va, les Picbois vont se produire et on va bloquer le tunnel. Les Picbois dans le tunnel. Vous allez jouer dans le tunnel. Ah ouais. Quelle bonne idée. Pendant 12 heures. Je pensais que vous alliez dire qu'on allait jouer dans le biodôme. Ça, c'est Arnaud Soli. Moi, j'aurais pensé que vous pourriez les faire jouer sur la piste de course de Formule 1. Oui. Ah, excusez-moi, on a un appel. Décideret. Oh, t'as de la pogne, puis j'aime ça. Ah, oui. C'est... Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai fait partie du vidéoclip de Mario Benjamin, t'as de la pogne, puis j'aime ça, dernièrement. Ah oui. Oh! Le vidéoclip qui, par ailleurs, semble-t-il, sera 18 ans et plus. Ouais, ouais. C'est ce qu'il a annoncé récemment. Selon ses propres dires. Mais là. Pourquoi? Est-ce que t'étais nu dans la vidéo? Pendant la vidéo, non. Ah. Il hésite, comment tu es? Ouais, c'est ça. Avant ou après? T'es-tu gelé, là? À quel âge j'avais enlevé mes pantalons? Ah non, pas pendant la vidéo. Non, mais non, on était pas nus, mais il y avait des grosses pantalons. Oui. Comme Mario les appelait, les grosses, en fait. Toujours plein de taxes, Mario. Évidemment. Aussi, il y avait un sorcier chaman. Mais oui! Oh, mais oui! Il y avait, oui, c'est Mario Lavoie, si vous voulez aller voir son Facebook. Ah, oui. C'est un sorcier chaman qui fait des vidéos. Oh, il est malade. Fait de la guérison, peut-être. Okay. Ouais. Donc, si tu peux nous résumer, c'est quoi l'histoire du vidéoclip, si c'est possible, évidemment. Les vidéoclips, en fait, ben le personnage principal qui, comme Mario disait, fait des faces bien funnées, c'est le sorcier chaman, Mario. OK. Puis nous, ben moi, j'étais avec trois autres amis.
Puis tout le long du vidéoclip, on a filmé pendant comme 4 heures, juste 2 scènes. Il aurait pu prendre 10 minutes à faire. Puis ouais. C'était juste nous sur un banc qui regarde des madames qui partent. OK. Bon. Ouais, okay, bon, ouais. Puis, 4 heures. J'ai une question, mon bel inconnu. Oui, il est comment... c'est Vincent, mon nom. Ah, salut Vincent. Salut Vincent. Il est comment Mario en pareil situation de tournage? Est-ce que c'est le Mario qu'on connaît, comme dans ses vidéos? C'est un bon directeur? Il est un peu bouffon sur les réseaux sociaux, tu sais. Ben, en fait, Mario, si je pourrais le décrire vite, il est épeurant, mais il est super gentil, mais tu le sens qu'il est comme un ego démesuré. OK, OK. Ben, genre... bon, okay. Fait que dans ses yeux, genre, tu regardes au profond de ses yeux, t'as peur. Ben, t'as encore l'air, t'as l'air comme d'une victime. T'as pas l'air bien. Est-ce ouais, qu'il t'a touché à des endroits où il aurait pas fallu? Non. Pas après ces enfants-là. Ouais, c'est ça, ben non. Non, mais. Ces endroits-là. Mais, ben, justement, il disait que ces enfants-là, ça y a pris, je pense, un an à faire. Ben, le résultat est à l'écran. Ah ouais. Non, mais je peux croire, là, pour vrai. Ah ouais, ouais, non, quand même. Vincent, est-ce oui? que tu m'entends bien? C'est Denis Coderre. Ah, allô Denis Coderre. Je suis très content de t'annoncer que la ville de Montréal, pour le prochain vidéoclip de Mario Bélanger, excuse-moi, on va fermer toutes les stations de pompiers de la ville pour tourner son prochain clip. Il y a du feu. Ah ben ça, c'est une bonne idée. C'est pour ça que M. Coderre qu'il y a un incendie à Montréal, par exemple. C'est fantastique. Ils mettront ça dans le clip. Ah oui, ça va être pas mal. Ben, il me semble. Ben merci beaucoup, Vincent. De toute façon, on ne les ferme pas pour toute l'année. Là. On les ferme juste 2 semaines. Ben voilà. Ben alors, déciderait plus que jamais et sur le terrain. Au cœur de l'événement. Hop, ça sort entre le 4 ou le 6. Mais, on a la date. Est-ce qu'il y avait réellement. Je sais pas de quelle année. Est-ce qu'il y avait réellement 30 femmes entre 200 et 300 livres? Ben, c'est une bonne question. Il n'y avait pas 30 femmes, il y en avait comme 4. Puis il y avait une fille qui avait l'air de 22, mais elle avait 14. Oh, elle avait 4 mais le plan descendait. Il a demandé des ouais, de plus en plus, c'était de plus. Il en demandait moins l'eau. 300, puis après ça, c'était comme 210, correct. Là. Ben, 4, c'est déjà en vrai 2-3 de plus que j'aurais. Ben, est-ce que sa sœur était là, Chantal Marino? La sœur à Mario? Ouais. Son nom, c'est Marino. Ouais, Chantal. Ben, c'est une longue histoire, mais ouais. OK, je pense pas. Ah, bon. J'imagine que tu l'aurais su. Finalement, c'est juste sa sœur qui est dans le clip. Ben, c'est ça qu'on a, nous autres, notre hypothèse. Parce que, ouais, moi, je pensais que ça allait finir avec Mario qui pognasse sa sœur. Ouais. Fait que non, finalement. Ah bon. Ben, je sais pas, on n'a pas été là pour tout le tournage du vidéoclip. Il y avait une autre séance de tournage plus tard dans la journée avec le sorcier chaman. Ah oui, puis d'ailleurs, il nous a raconté que comment il est devenu sorcier chaman, c'est parce qu'il y a eu une vision d'une madame qui couchait avec un loup blanc, puis elle a couché d'un chien ensuite. Bon, ben ça promet, hein? Wow! On dirait la naissance de Rome. Ben merci beaucoup, Vincent, de nous informer comme ça. Ça fait plaisir. Un plaisir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà, ouais, alors, ben, moi, je souhaite quand même un bon clip à Mario. Tu sais. Ah, bah, toujours. Mario, ça va sûrement être excellent. Mario est un trou noir de divertissement. Là. On souhaite. c'est toujours. Ouais, mais tu fais ses trucs. Moi, je l'aime bien. Là. Ben oui, on l'aime, Mario. Évidemment, on fait des belles blagues, mais on l'aime bien. Ben oui, ben oui, on l'aime. Il n'y a pas de date de sortie encore. Ouais, mais attends, là, il est pas fin, ce gars-là. Tu sais, regardez l'agir sur Internet avec le monde. Non, mais pour vrai, on l'aime, Mario. Ben oui, on va continuer. Mathieu. On va continuer donc. Avec on va continuer avec Boldoc. On va couper le micro. C'est pas plus gentil que ça, là. Boldoc, alors vas-y, Maher, chante le thème à Boldoc. Boldoc. Oh wow. Voilà. T'as tout donné. C'était très low fare. Moi pour ça va être bien simple puis bien léger. Moi, quelque chose que j'aime dans la vie. C'est les jeux de mots, puis je trouve que ces temps-ci, les jeux de mots reprennent leurs lettres de noblesse. Ouais. Et je suis allé, puis moi, je sais que t'aimes ça aussi. Ouais, j'aime bien les jeux de mots, moi aussi, effectivement. Puis, quelque chose que j'aime sur Facebook, c'est d'aller, tu sais, des batailles de jeux de mots, ça, en dessous d'un statut où que tout le monde se relance. Je sens que les jeux de mots, ouais, les gens jeux de mots avec un thème. Aiment ça dernièrement. Là. Ouais. Ça, ouais, ben, ouais, c'est ça. Quand il y a comme deux thématiques qui se croisent, c'est que je suis allé en
relaté un où il y a eu plusieurs commentaires sous un de tes statuts, Étienne. Oui, oui, oui. Je suis très fier d'être le statut qui a engendré ce thread. Ouais. Donc, on commence. Tu sais, c'est une thématique un peu animaux porno, que je dirais. Oui, oui, bien résumé. Donc, le statut. De mieux en mieux, c'est dur. Ouais, le statut étant celui-ci. Ornithorynque, mais Orny, H-O-R-N-Y. C'est incroyable, c'est génial. Ce qui a déclenché ce flux de jeux de mots un peu douteux. Donc, ouais, ok. C'est bon, c'est bon. Ok, je l'annonce parce qu'il y en a au début qui avait comme pas rapport avec le thème. Puis je peux... Ok, il y a Mathieu. Prends ton temps, hein, on est juste enregistré. Il y a Mathieu Théoret qui a commenté deux fois Carcajoui et Elephantasme. Ça, à quoi. Pas mal. Guillaume Sigouin est resté dans le même thème, a commenté Ornithologue. Ornithologue. Ah, bah oui. C'est notre Guillaume Sigouin? C'est non, oui. Hein. Ouais, je pense que oui. Moi, ouais, je pense que oui. Ouais. Commente rarement. Oui, il y en a un autre qui avait Guillaume Sigouin, j'ai remarqué. Étienne Forêt qui a continué avec Book Kaki. Un book kaki. Merci tout le monde. Ce à quoi j'ai répondu Dauphin Fino aka Corky. Wow, ça, je le prends pas mal. Ouais, t'as marqué Trigger aussi. Ouais. Mm. Ça me surprend pas du tout. Sinon, il y a Danny Lefebvre qui a marqué Communication. Là, il y a pas vraiment. On parle du thème des animaux, mais. Ouais, comme une. Ouais, en tout cas. Il y a toujours ouais. Quelqu'un qui. Ouais, qui cache pas tout à fait le thème. Ouais, mais à un moment donné, ouais. Mais ça se rend bien. Étienne t'a renchéri avec Coq Sinel. Ah, c'est facile, ça. Bien joué, Étienne. Bien joué. Mmh. Il boit pas, Étienne. Et moi de répondre Fourmilf. Ah, oh, 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 c'est bon, ça. C'est moi, ça, le Fourmilf. Après, Paul-André. C'est comme Fourmi. Ouais, c'est comme Fourmi. Ouais, pour ceux. Bravo, Marc-Antoine. Si jamais il y a des enfants. Bullseye. Bullseye, yes. Paul-André Caron a continué avec Guépard 12. Oh, ah, ça a bien trouvé. Denis Lefebvre, une raie. Ça allait de soi. Ouais, ouais. Le mode minimaliste, j'aime bien ça. Ouais, c'est souvent ça. Hein, celui-là, je le comprends pas. Ah, ok, ouais, c'est moi. En plus, c'est le mien. j'ai répondu ouais. Co-brassière. Brassière. Ah, ben oui. Ah, moi, je le comprends, je vais l'expliquer. Étienne Forêt qui a repris son statut, mais en français. C'est Orgie Torinque. Une variation francophone. Ben, pourquoi pas. En français. Ouais. Paul-André Caro continue avec Orgie Raff. Ah, ben oui. Mmh. C'est bon. Étienne Forêt avec Truissomme. Qui est un très fort. Merci, ouais. J'ai fait beaucoup de Truissomme. Ouais. Avec des truies. Est-ce qu'elles étaient menstruées les deux en même temps? Est-ce que leur règle était. Tu rencontres deux filles menstruées. Je continue avec Oran ou Tang Bang. Oh. C'est bon ça. Après ça, on a Serpentculade de Paul-André Caron. L'imasturbate. L'imasturbate. Ah, ben oui, ben oui. Valumium, une amie d'Alma qui continue avec une tarancule. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Ouais. C'est bon ça. Qui avec les huit pattes. Tommy Colin Vallée qui y va de une cream pie. Lui, il est père de famille. Hein. Ouais, mais ça s'appelle. Je continue avec Colibi. Ouais, ah! C'était pas le meilleur. Étienne qui va avec la vulve noire. Ah! Astucieux jeu de mots. Ouais, ouais. On commence à baisser le niveau un peu. Ouais, ouais, non, mais ça revient. Je continue avec Léopard derrière. Paul-André Caron qui va avec Rhino Socros. Oh! C'est bon, ça. Ouais, c'est ouais. Comme ouais. Ça, c'est drôle. Ça me j'ai déjà dit ça au secondaire. Je continue avec Pegasus Productions. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ouais. C'est très niché. pour les surfeurs. Voilà. Je retourne avec Dauphin Fino. C'est à quoi tu réponds? Hey! Comment? Sauce spéciale du. Ouais, non. Ok. Rendu trop tard. Point G bleu, non. Cardanal.
Point G bleu, c'est bon. Point G bleu. Ben, très drôle, non, mais c'est pas fait comme ça. Cocasse. J'irais avec poule chinoise. Ah, c'est bon, ça. Ah, ouais, c'est des poules que tu te rends. Oui, attachées avec une corde l'une à l'autre. Des fois, il y en a qui sortent. Ils sont tous attachés comme un chapelet. Moi, j'irais avec lapine. Sinon, on a Kung Fu Banda. Banda de Étienne encore. Je me souviens pas de celle-là. Crocodile d'eau. Ah, c'est bon, ouais, ouais. Il faut pas t'a mettre dans les fesses. Et voilà. Oh. Voilà. Hey, vous, vous étiez où, les gars? Ben, je sais pas. Vous auriez bien contribué au truc. Il y a Denis Lafèvre qui va avec autre cruche. Ouais. Ouais, c'est bizarre un peu. Un fourmilier de Tommy Collin. Il est père, lui. Père de famille. Ouais. Et docteur. Ça paraît. Un bel enfant, chocolat. Il y a Chien Bandé. Mais je peux, il y en a vraiment beaucoup. Je peux continuer longtemps. Ouais, il y en a genre 300. Ouais. Oh, bébé. Bon. Un petit fou rire des deux personnages. Denis vient de conter une vraiment bonne blague à Danny Lacrosse. Je suis trop sûr. Ça fait un bon moment de radio, ça, les gars. C'est à la réécoute, je pense qu'à la réécoute. À la réécoute, celle-là va reculer. Reculer de 45 secondes. Julien vient de faire un Nicolas. Hein? Julien vient de faire un Nicolas. Mais non, mais. J'ai hâte de réécouter. Ouais, j'ai manqué le bout. Ouais, j'ai pas entendu non plus. Oh mon dieu. On peut-tu le réécouter maintenant? Hey, c'est pas correct. On dirait que t'as réussi à parler pour juste la moitié de nous autres d'entendre. Ben oui, faut pas. C'est un talent. Ok. Dis-moi, monsieur Coderre, les jeux de mots. Ben, je suis très content. Je suis très content de vous annoncer. Je suis ici pour ça. Oh. Que nous allons construire un amphithéâtre de 44 millions de dollars juste pour les jeux de mots. Bon, j'ai entendu dire que ça l'avait fait sur le long, tout le long de la rue Sherbrooke, sur la rue Sherbrooke. En fait, on n'a pas trouvé encore le terrain, mais on a donné ça à la même firme de consultation pour le CHUM. Belle alors, idée. On devrait voir ça d'ici une cinquantaine d'années. L'avantage avec le CHUM, c'est qu'ils ont fait tellement d'erreurs qu'ils peuvent pas les refaire, ces erreurs-là. Ouais, moi, je ferais confiance à une compagnie de même. T'sais, le nombre d'erreurs qu'ils ont fait, il y a des compagnies qui ça peut prendre jusqu'à 20 ans avant qu'ils fassent le nombre d'erreurs. Là. Fait, eux autres, ils connaissent là, ces problèmes-là. Fait qu'ils referont pas. T'sais. C'est logique, ça, M. Collin. Ben, tout à fait, c'est fantastique. Et ça va s'appeler le Centre entre nous. Oh. Vous pourriez appeler ça direct le centre. Ouais, centre-nous, vous aviez une belle opportunité. Ben voyez-vous, je suis ici puis je suis ouvert et j'entends vos propositions, ça pourrait être ça. Ben pas oui, moi, j'ai pas de problème à marcher de la gomme ballon puis marcher droite. C'est vrai. Ça, vous avez ça une fois, effectivement. Reconnu pour une ça. Fois. Une fois. Alors, Guillaume, continue. Ouais, ok, mais ça pouvait mettre fin à ma chronique. Bon, mais... je vais faire une coupe d'eau. Puis... Ok, il y a Crocodile d'eau qui était déjà. Je l'avais collé. Mon Dieu, j'avais pas lu dans cette tube, j'ai dit ça de même. Ok. Les grands esprits sont ça. Sinon, Valjalin. Crotal. Ouais, non. Ouais, c'est vrai que le niveau. Piranal. Bon. Non. Golden Shower Retriever. Ah, j'aime ça. Ça, c'est très bon. Ouais. Une murette. Ouais, bon. Ouais. Ouais. C'est toi qui voulais ça, Julien. Ben, c'est ta faute. Ben, un dernier, Guillaume. Vagin Chila. Qui est de l'Étienne. Ben, merci beaucoup, Baldock. Merci. Évidemment, Facebook. Les jeux de mots n'ont plus de secret pour toi. Non, effectivement, les jeux de mots. Oui, tu commences à me connaître. Je voudrais juste dire, Joël Martel, qu'on a volé Guillaume Baldock à la vie en général. Fait qu'on attend ton mot. Hey, ça doit l'angoisser. Voilà. Alors, merci, Guillaume. On continue avec Étienne. Ah, ok. Ben, go. Ok, ton thème. C'est bon, ça me laisse le temps d'allumer mon sel. J'ai pas ton thème. Ben, voyons donc. La chronique des Tiennes Forêts, c'est bien mieux qu'une claque sa gueule. Hey, vous êtes bons. Allez, rire d'enfant, enfin. Ouais. Ah. Bravo, les gars. On n'a même plus besoin des thèmes. Fait que ma chronique d'aujourd'hui, je la dédie à quatre poires, fidèle auditrice qui aime beaucoup mes chroniques. Es-tu belle? Ah ouais, malade. Es-tu belle?
Alors, aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour sur questions de tout genre. Puis j'ai trouvé des bonnes questions avec surtout des bonnes réponses. Mais ce qui a attiré mon attention déjà, c'est qu'il y a Rox Gignac, mercredi, à 6h43, qui a écrit « Recherche laveuse sécheuse pour une amie, pas chère. Québec, Saint-Émile, dans les environs, merci. » Fait que là, ça a l'air comme très banal. Mm. Mais là, l'affaire, c'est que juste un petit peu après... Très banal. Oui, le lendemain, 24 heures plus tard, Audrey-Anne Rondeau demande « Petit questionnement. Si votre mère est décédée il y a peu et que toutes ces choses sont encore chez elle, point. Okay. Et qu'un jour, vous arrivez pour faire votre petit check-up pour la boîte aux lettres et tout, point. Mais que tu t'aperçois que les laveuses dans l'appartement à ta mère ont été échangées contre des vieilles. Quand tu cognes en face chez la voisine, ben Chris, elle est rentrée dans la maison et elle est partie avec mes laveuses et sécheuses et a rapporté ses vieilles dans l'appartement. Et elle me l'avoue en plus, que feriez-vous? Feriez-vous une plainte? Fait que moi, je trouve ça louche que ces deux affaires-là sont un après l'autre dans la question de tout genre. Je pense qu'on sait c'est qui est coupable. Voilà. Mais sinon, sérieux, quel mot incroyable. Voyons. Voilà. On n'en a plus besoin. Ensuite, ben oui, elle est morte. Fait qu'on la sent Chris. On va tout échanger nos meubles contre les siens. Ce qui est mieux. Ensuite, il y a Stéphane Limoges qui demande un truc, s'il vous plaît, pour arrêter une langue de saigner. Voilà. Bonne question. Ah oui, hein? Ça, c'est moi, j'aime ça quand les gens ont un problème de santé qui a l'air un peu sérieux. Ouais, c'est ça. Puis que leur réflexe, c'est d'aller sur question de tout genre. J'aurais tendance à y aller avec de l'eau salée. Ah, tu vois, ça serait une bonne idée, ça. Mais ben là, les idées fusent ici. Il y a Véro Giga qui dit poche de thé mouillé. Ah. Avec une légère pression ou ta blessure. Ensuite, Alexandre Vachon propose coupe-la. Donald Pearson, chansonnier, coupe-toi un pied, la pression va chuter. Chansonnier. Ouais, chansonnier. Okay, il faudra aller voir son. Ben oui, c'est très Mario Benjamin-esque. Ouais, hein? Faudra aller voir sa page. Ensuite, Claudia Desmeules dit du sucre, ça marche à merveille. Tu lui tiens la bouche un bon 20 secondes pour pas qu'il avale, ça va aider. Là, je pense. Ok. Quelqu'un suggère-tu la Four Locos, ça que je ferais, moi? Non, il y a Jimmy Hood, par contre, qui dit « Plonge-la dans pantoufle à ta blonde, XD ». Aïe, aïe, aïe. Et David Dansereau, de la Crazy Glue. Ouais, fait que, c'est la Crazy Glue. De la Crazy Glue. Fait que tu vois que, tu sais, ça vaut la peine d'aller poser des bonnes questions comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu une bonne joke de Crazy Glue. Crazy Glue et les insensibles. Ouais. Hey, demande l'annonce dans le temps, tu sais, le gars sur le bateau, là, avec son steak puis son chien, là, je sais pas si vous souvenez de ça. Le bateau, l'assiette, elle glissait jusqu'au bout de la table, le chien était au bout de la table. Il fait des annonces. Puis là, il était comme, l'assiette, elle revenait devant le gars, hop, l'assiette, elle repartait, puis là, le gars, il disait, hey, j'ai une idée, je vais mettre de la Crazy Glue sur mon bord. Là, il mettait de la Crazy Glue, l'assiette arrivait sur lui, puis quand le bateau penchait, il y a juste le steak qui partait, puis le chien mangeait le steak! Puis là, le chien disait, Crazy Glue. Crazy Glue. D'annonce, là, genre ma blonde veut me laisser, là, puis là, je la couvre de Crazy Glue, je la colle sur moi. Là, genre. Ouais, c'est bien, ça. ça marcherait. Ça marcherait, ça. C'est très deux points. C'est bon qu'ils font ça dans Jackass aussi, quand ils collent Wee Man sur Preston Lacey. C'est une bonne idée. Et bon, ensuite, Sabrina Pajot demande « Pouvez-vous me dire pourquoi la fidélité est en voie de disparition de nos jours? » C'est toujours le fun des questions philosophiques de même. Non, clairement, ça n'existait pas avant. Pour les plaies de langue, c'est de la glace et de l'eau salée, Maxime. Chaude, salée et de la glace. Tu vois, Maxime le savait, lui. T'étais déjà, Maxime. Fait que c'est pas la pantoufle de sa blonde. Eh bien, c'est-tu si dur de dire aux gens nos véritables intentions? Ça me frustre de voir qu'on peut autant jouer avec les émotions des autres. Sont passés où les belles valeurs? Bonhomme triste. Fait que voilà. Donc, la fidélité est en voie de disparition. Avant, le monde était très fidèle, bien entendu. Ouais. Sylvie Dion demande « Comment choisir un bon DJ? » Puis là, j'essaie de loader les commentaires, puis ça load pas. Merci Wi-Fi de choc. Je vais juste m'enlever du Wi-Fi, puis je vais recommencer. Bon, ben. Ouais. Sur quoi on se base comme question à lui poser? Donc, selon Johan Creton-Tessier, faut qu'il mixe vinyle, sinon c'est de la boîte. Jérémy Nicolas, lui, a dit pas nécessairement. Yannick Drouin propose comment il fait son gâteau aux anges. Et puis, Petit Singe dit combien de temps tu fais cela et comment t'as pris ça? Fait que ça, c'est clairement le meilleur des petits singes qui a écrit cette réponse-là. Il mange toutes les bananes. Une réponse là. Il paraît qu'il a pas peur de la noix de coco, ce gars-là. Ensuite, Cri-Cri Christina demande « Quand on a l'impression que quelque chose nous fait pas devenir une meilleure personne, mais que devenir, ça nous apporte un bien-être, vaut-tu mieux absolument le quitter? Est-ce qu'à long terme, cela peut causer des torts? »
Fait que la seule réponse est désolé, je crois avoir du mal à saisir le sens. C'est une excellente réponse de Rémi Lamelin. C'est franchement celle qui en fait le plus. Peux-tu répéter la question, Maxime? Ouais, si vous êtes, ouais, Maxime, je vais fatiguer. On teste s'il écoute. Oui, tiens. J'écoute pas. Quand on a l'impression que quelque chose nous fait pas devenir une meilleure personne, mais que devenir, ça nous apporte un bien-être. Point. Vaut-tu mieux absolument le quitter? Est-ce qu'à long terme, cela peut causer des torts? À l'université, une fois, il y a une fille, elle faisait son exposé oral, puis moi, j'écoutais pas, là, j'étais dans l'une. Puis là, on est à l'université, là, on a tous genre 22, 23 ans, mettons. Puis là, moi, je suis dans un vape, ben, c'est pas intéressant. Puis à un moment donné, tu sais, la fille, elle arrête, puis elle fait « Bon, je vais arrêter. Maxime, peux-tu me répéter ce que je suis en train d'expliquer? » Ben, voyons donc. Puis là, j'ai fait non. Ah ouais, pourquoi? Ben, j'écoutais pas du tout. Puis là, tu sais, moi, tu fais ça à l'université. Ben oui, c'est même pas le prof. Tout le monde est sur leur laptop. Il y a personne qui écoute. Ben, il y a pas d'âge sans crier. Hein. Ouais, c'est ça. Effectivement. Bon, il y a également Marie-Josée Patry qui demande « Qui chante la toune Brain New? » Cherche. Bon, ben là, avec Google, là, ouais, le temps ça. Que ça te demande d'écrire ça, ben, en fait, c'est ça. C'est parce qu'elle l'a pas trouvé en cherchant Brain New. La toune, évidemment, c'est Brand New, mais elle a écrit Brain comme un cerveau. Donc, Yann Longueuil tout de suite répond, je sais pas, mais je suis pas mal sûr que ça s'écrit Brand New, tout nouveau. Google ah, ben ça. Oui, la conne, oh, ben maudit. Puis après ça, Kat, à moins que ça soit Brain Stew de Green Day, mais elle est assez vieille. Puis après ça, Caroline Rivet, Green Day, Marie-Josée Patry, non, elle rythme à date de quoi peut-être un ou deux ans, dit dedans, brand new, oh, 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 genre. Donc ça, ça aide en mode. Martine Parent, Éric Bouffard, un compte conjoint, j'aime ça. Peut-être la toune qui joue à WKND, ça dit brand new, oh, 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 brand new. Si c'est ça, c'est sûrement sur la playlist. Fait que là, après ça... Je l'ai brand new. Ouais, puis je joue en background. Fait que, ouais, ouais, finalement, ben, il y a... Yann Longueuil qui demande « C'est-tu ça ?» et qui met la toune de Despacito. Fait que voilà qui avance le débat. Hey, Despacito, c'est drôle qu'elle essaye de chanter par écrit. Ouais, brand new, oh oh oh, oh oh oh, oh. Genre. Bon, après ça, ben là, on a, je vais conclure avec le post mature de questions de tout genre de la semaine. Jessica Côté qui nous dit « Je suis un peu outré par une circonstance. Mesdames, il me faut trop vos avis pour essayer de comprendre. » Il faut trop, trop vos avis, là. « En mai 2017, je passe de cheveux noirs à cheveux roux châtains. Nous sommes rendus fin juillet. J'ai un mariage demain, le 29 juillet. J'étais rendu avec une méchante repousse et ma couleur était rendue pâlotte pas mal. Donc, mercredi le 26, je me refais cette couleur, qui est, à mon avis, chose normale. Jusqu'à maintenant, tout va bien, là. Chose normale. Et là, hier matin, message de la part d'une « amie », entre guillemets, qui me pète un fuse en me disant qu'elle ça étrange, que je teins mes cheveux le lendemain, qu'elle va chez la coiffeuse pour passer du noir au roux que j'ai copié. Quatre émoticônes de filles qui se font un facepalm. J'y ai dit que c'était ridicule comme crise, que j'étais déjà rousse depuis mai et que j'avais seulement rafraîchi ma couleur et bang, elle me bloque. 8 points de suspension. Non mais Calice, c'est quoi cette affaire là? Mesdames, expliquez-moi ça parce que moi, je la comprends pas. 15 bonhommes rire aux larmes. Fait que là, évidemment, ça c'est une bonne question à poser à question de tout genre. 15? Ouais, ben je dis ça au pif là. Probablement c'est plus proche de 10 en fait. Je pense que j'ai exagéré. Béatrice Le Seigneur dit elle voulait probablement être le centre d'attraction, un peu comme le soleil. Elle est jeune enfant, donc je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Comme le soleil ou la ronde. Ou la ronde, ouais. ça dépend, mais M. Collard sera d'accord. La ronde par une journée ensoleillée. C'est fantastique, la ronde. Ah ouais, la surtout ronde. Quand il fait soleil. Non, oui, même quand il pleut, c'est fantastique. C'est rafraîchissant quand il pleut. Ouais. C'est vrai que c'est le fun. Après ça, bon, j'en saute quelques-uns. Christina Poirier, conseil. Qu'elle mange de la merde, lol. Wow, c'est pas un conseil. C'est une attaque physique. Elle est de bons conseils. Très bon conseil. Ça reste une des meilleures réponses sur ce groupe-là. Le trois quarts des filles en 2017, c'est toutes des crises de vache. Alors, oh, ça, c'est. Oh, ça, c'est oh, l'opinion de Christina Poirier. Hey, juste le trois quarts. Oh, oh, c'est pas vrai. Attachez-le. Il n'y a pas de nade. On va faire ça vu qu'on est juste des gars. Mais quand même, le trois quarts, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Selon une femme en plus. Christina Poirier. Mon Dieu. J'imagine qu'elle s'inclut dans l'autre corps, mais en tout cas, on ne sait pas. Ensuite, c'est violent. Marika Houvienne-Gingras nous donne une petite anecdote similaire. Une fille à mon école avait acheté les mêmes faux ongles que moi au bal.
du Jean Coutu. Elle est venue me bitcher dans mon dos. Elle est venue me bitcher dans mon dos. Ça, c'est quand même spécial. Disant que j'étais une copieuse, etc. Alors que j'avais arraché 5 minutes avant mes ongles, même pas après d'être arrivé au bal. Mais on s'entend que la fille avait 17 ans. Puis même à ça, c'est vraiment une crise de bébé, selon moi. Fait que je l'ai crissé hors de ma vie. Marie-Christine gagne. Hein? Propose flush là de ta vie est folle. Ensuite de ça, Catherine Lafrance, t'appelles ça une amie? Puis là, Jessica, non, j'ai appelé ça une amie, entre guillemets. José Fortin suggère SPM. Christian Larocque, lui, suggère TDF. Tabarnak de folle pour les toutes des folles. Toutes des folles. Mélanie Savard, jalouse de toi. Elodie Reinerg, honnêtement, Chris, que j'ai eu ce genre de centré sur elle-même. Elle va-tu pleurer avec ça, Seigneur, c'est pas drôle de Peter la tête pour des niaiseries de même. Peter la tête. Ouais, avec la majuscule pis tout. Peter la tête. Il y a des enfants qui mangent pas dans le monde, puis elle a chigné parce que quelqu'un a la même couleur de cheveux qu'elle, ciboire. Voilà. L'argument des enfants qui marchent pas dans le monde. Ouais, ça c'est toujours bon. Ça s'applique à tout, c'est ça qui est cool. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qui est cool. C'est le point Godwin des points Godwin. Ouais, Marie, Raphaël La Rochelle, Saint-Louis-du-Four, elle va-tu chialer à toutes les filles qui sont rousses parce qu'elle a les cheveux roux? Bonhomme réfléchi. C'est des cheveux maudits, on s'en calisse. Il y a déjà eu au moins 2000 filles avec la même couleur puis la même coupe que toi avant même que tu y aies pensé. Au moins 2000. Au moins 2000. Cynthia Lapage. Au moins 2000. Hey boy, enfantillage level 1000. Bon débarras finalement. Voilà, Frédéric Denomé fait remarquer que c'est un first world problem. Ensuite, Andréane Lafrance, t'as pas besoin d'ennemis avec des amis comme ça. Oh, c'est voilà. Regardé dans l'abysse tout ça. Hein. Ouais. Ouais, on regarde vraiment. Là, on a l'abysse dans les yeux qui nous contemple. Catherine Lachance, ouais. OMG, voilà pourquoi j'ai toujours aimé mieux être ami avec des gars. Tabarnak, tout ça pour des cheveux. Vous prenez ça à cœur toutes les deux un peu trop. C'est ridicule, autant en faire un post Facebook. Voilà, c'est bizarre à quel point ça vire en espèce de misogynie. Ouais, pis c'est toutes des femmes qui sont misogynes, c'est ça qui est impressionnant quand même. La femme est un loup pour la femme. Ouais, c'est vrai. Oh, une louve. Une louve pour la femme, ouais. Comme dans l'ombre de l'hyper. C'est ça que j'allais dire. La louve. La louve. Elle allait sur sa falaise, Julien, là, puis elle faisait. Oh! Ben j'ai pas écouté l'ombre de l'épervier parce que mais Noom, vous m'avez donné le goût. Ah, oui, était parti en mer. Ah ouais. Oui, ok, d'accord. C'était de Dominique Chose là qui faisait ça. Hein? On l'écoutera On l'écoutera ensemble. Ben non, pas non, j'ai pas le temps. Bon, non, je suis en train de résumer. Non, mais on n'a pas le temps de chiner. On n'a pas le temps de chiner ensemble. Non, non, mais j'ai pas. Je suis désolé. J'irai te voir chez vous. Non, j'ai pas le temps. Non, je vais chercher ton adresse. J'ai pas le temps. Je vais te la donner. On va te le donner. Je vais aller te reconduire là après l'émission. Bon, puis je conclue avec Lucie Lemieux, la femme qui a l'air un petit peu plus vieille que toutes les autres qui ont commenté jusqu'à maintenant, qui est donc la voix de la raison et de la sagesse. Premièrement, c'est pas une vraie amie, et elle est très insécure comme humain. Si elle te bloque pour ça, dis merci à l'univers. Tu n'as pas besoin de ce drama. Continue la tête haute. Si elle veut te provoquer, ne réponds pas, c'est beaucoup plus efficace. Reste-toi, sois forte. N'oublie jamais, 99% des gens veulent se servir de nous. Rares les vrais 1%. Go girl! Alors, voilà. Ben, c'est ça, littéralement, 1%, c'est rare. Hein. Ouais, effectivement. 99% des gens vont s'occuper de ça. C'est, ben, c'est Lucie qui l'a dit. Merci beaucoup, Lucie, mais surtout, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Oui, allez-y, M. Coder. Ben, j'ai une excellente nouvelle. Je sais que Étienne est particulièrement frivole. Friand. Friand des. pas très frivole, non, on pas est fatigué, non, on pas est fatigué, du tout. Vraiment pas frivole. Du, pas frivole, du bowling. Oui, oui, oui. Joueur de bowling. Tout le temps. Eh bien, on est très content de vous annoncer que Montréal va avoir le premier centre de bowling à air ouverte et on va l'installer dans les airs au-dessus du marché Jean Talon. Ah, j'aurais pensé sur le boulevard des Carrés, ça aurait été bon, une grande allée. Comment qu'on fait pour l'atteindre? C'est comme les jardins suspendus. On va vérifier, on va trouver des moyens pour. C'est sûr que moyen. On a une firme. Au-dessus du marché Jean Talon. Au-dessus du marché Jean Talon, ça va être fantastique. Le monde va pouvoir avoir l'allégresse d'aller chercher leurs fruits frais et leurs légumes frais et entendre le joli son. Des boules de bowling. J'imagine, c'est un son familier pour tout le monde. J'imagine l'odeur des fines herbes qui remontent, là, tu sais, juste pendant que t'es dans. Tout à fait. Ça va être frais, là, ça. Une expérience fantastique pour tout le monde. Alors que c'est comme pas si bête. On a comme le goût. Mais pour le construire, il va falloir, par niveau de sécurité, de détruire la 40, le boulevard métropolitain. Et bien sûr, on va le reconstruire. Ça va nous faire très plaisir. pour évidemment la salle de bowling.
C'est dans le ciel. Alors, merci beaucoup, Étienne. On va continuer avec Marc-Antoine Maher. Es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt, oui. Tant que ça. Tu pourrais te mettre... prêt et en forme. Alors, le thème Maher, je le trouve pas. Ah ben, ok, ben Mathieu va chanter ton thème. Maher, 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 Maher. Mère il est ouverte. Avec nous. Oh oui, Mère ouverte, c'est bon. C'est le nom de ta chronique. Mère ouverte. C'est fort de sick. Écoutez, j'ai vu ce matin, j'en ai parlé un petit peu tantôt à Mathieu. Étienne semblait être au courant. Oh, excuse-moi. Ouais, j'ai vu passer le même point. Je me suis demandé si je le faisais ou pas, fait que je suis content d'avoir pas pris ça. Tu vois. Il y a une femme en Arkansas. Ça va être le fun. Ben, on s'éloigne un peu. Là, Arkansas. Dépassé Longueuil. Est restée assise sur son bol de toilette pendant 2 ans. OK. Pendant 2 ans. Par choix. Là. Oui, par choix. C'est une grosse envie. Ses voisins et entourage disent qu'ils l'ont pas vu depuis les 6 dernières années. Enfin, les 4 autres années, je sais pas exactement, était où. Était assis où? C'est ça. Ailleurs, peut-être. Son mari, il venait importer des vivres et de la bouffe et de l'eau tous les matins en disant « Tu vas-tu sortir de la toilette? » Peut-être demain, peut-être demain. Fait qu'il a pas appelé la police ni l'ambulance, puis il revenait le lendemain. Ben, il faut ben. Des fois, il faut des fois. Oh. Après 2 ans, la police est arrivée en demandant au mari pourquoi avoir attendu si mais longtemps. Qu'est-ce qui a fait que la police est arrivée? Je me suis... Ben, c'est qu'après 2 ans, assis sur la bolle, ses jambes étaient atrophiées, sa peau était soudée. Mais le gars a fini par appeler. Oui, c'est la sûr, police s'est pas pointée là. Non, le gars a fait, mais si lui, il avait envie d'aller à la toilette. Ouais. Il y avait une deuxième toilette aussi. Ah, bah ben, on a pensé okay. à tout. On a pensé c'est à tout. Oui, c'est très pratique. J'ai ça moi aussi, puis j'ai l'appris. Notre enquête est terminée. Je peux ranger mon calepin. Sa peau était atrophié au bol. Ouais, ça peut être soudé au bol parce que ça fait 2 ans que t'as pas comme utilisé tes jambes puis. Hey, mais il y a de quoi de très human centipede dans cette image là. C'est comme elle a fusionné au bol. Mais elle sentait super bien là, elle filait bien, elle voulait pas. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse? Monsieur Godard, permet... ça vous fait penser à quoi? Je suis très content parce que je suis venu ici un petit peu pour vous annoncer ça aussi. Pour 2020, on va modifier le stade olympique en immense bol de toilette. Bon, ça va pas coûter cher. Ça s'adresse aux géants? Non, ça va être une toilette fonctionnelle. Alors, tout le monde dans le monde entier va vouloir venir faire caca ici à Montréal. À air ouverte. La première toilette à air ouverte. Pas d'air ouverte. Ouais. Mais air ouverte. On est très, très content de ça. Alors, et tout va se déplacer naturellement dans le fleuve. Mais parce que ça, alors, le fleuve va devenir multi-ethnique. Quoi? Pardon. Ouais. Non, mais il va y avoir des parce que, éléments que... Un des problèmes de l'itinérance, par exemple, c'est justement où on fait nos besoins. Parce ah oui, il y a d'autres, voilà. Ils vont être bienvenus aussi. Des villes comme à Paris ou à Vancouver, il y a des toilettes pour itinérants. Ici, il n'y a pas ça à Montréal. Je crois que ça va encourager aussi, ça va encourager fortement l'ouverture de certains restaurants. On a juste à penser à des PFK qui vont s'ouvrir alentour. Spontanément. Et, absolument. Et voilà ça. Est-ce qu'on veut des PFK, M. Godard? C'est fantastique, ben oui, parce que c'est du poulet du Québec. Et, c'est fantastique. C'est merveilleux. Alors, Marc-Antoine, tu peux... Qu'est-ce que je dis avec ma il y avait une toilette. Non, mais c'est ça, c'est juste que c'est l'image qui est très, très human centipede, qui est très weird parce qu'elle ne voulait pas se lever et elle ne pouvait pas se lever. Dans l'article, les policiers disent qu'elle semblait désorientée. Ben pourtant, elle, pas... pourtant elle devrait savoir exactement où elle est. Ouais, depuis 2 ans. Les pantalons, semi-baissés, la madame un peu perdue, il a fallu qu'il casse le bol à la base pour l'amener à l'hôpital. L'hôpital qui est à 250 km de la maison. Oh, ah, c'est loin. Okay, ça. Mais c'est une certaine trotte, là, 250 km. Je sais pas. Ah, parce qu'ils l'ont fait à pied en plus. Non, moi, j'ai pensé à tout. J'habite l'autre bord de la rue de l'hôpital. Ouais, comme ça, pas de danger. C'est pratique. Si tu restes collé à une toilette, Julien, voilà. Ça sera pas trop. Ça arrive. Hein. Même que ça arrive. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ben, écoute, je trouvais ça, je me suis levé avec ça ce matin. J'ai oui. pensé à vous. Je pense à vous qu'une femme collait sa toilette depuis 2 ans. Pas le temps de les nouvelles, moi, matin. Non. Mais, là, mais maintenant, je suis informé. Ben, voilà. Regarde, tu sauras que quand ça fait plus que 45 minutes que t'es assis à bol. C'est assez. Ben, maintenant, normalement. Mais tu sais, des fois, quand tu veux comme prendre un break à ta job, là. Là, tu fais comme tu fais semblant d'aller à la toilette. Ouais, finalement, ça devient une sabbatique. Là, finalement, ça 2 ans, finalement. Une chose en amène une autre. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. On va continuer avec. Tu veux plus de mon nom. Non, c'est pas de Lacrosse. Non, non. Mais Colin Lacrosse. Ouais, on continue avec Colin Lacrosse. Oui. Pas de thème pour vous. Non, ça va. Je veux juste dire, c'est ça, on en a ri un peu au début, mais c'est un nom.
c'est un nom véritable là, qui arrive. C'est pas un nom d'artiste que je me suis donné pour c'est le plaisir. Oui, je suis pas artiste. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous êtes ici, en fait? J'ai pas bien compris. Je sais parce que l'heure est grave, messieurs. L'heure est grave. D'ailleurs, je dis messieurs, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de femmes ici parce que j'ai un projet. Tant mieux. J'explique la prémisse. Je me suis levé un matin et je me suis rendu compte que le monde est de plus en plus niaiseux, tu sais. J'en ai la preuve ici, là, ce matin, avec le niveau qu'on a eu ce matin. Ouais. Je suis pas rassuré. Puis ça me, en fait, ça me conforte dans mon projet. Je pense que le monde est de plus en plus épais, puis je pense que les médias veulent déprimer les gens, tu sais, les gens intelligents, parce que les médias portent toujours des mauvaises nouvelles, réchauffement climatique, les politiques, les guerres, tout ça, pour pas que les gens se croient au futur, pour pas que les gens intelligents, ceux qui sont informés, croient au futur puis se reproduisent, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que les gens moins intelligents se reproduisent plus vite, tu sais. Fait que là, les gens moins informés, plus manipulables, ils se reproduisent plus parce qu'ils sont moins informés, puis pense que ça va bien. Mais c'est moi dans Idiocracy, c'est les épais qui font des enfants. Exactement. Mmh. Tu sais, c'est ça aussi, ça m'a réveillé un peu. Heureusement, je suis là pour remédier à la situation. Je suis à la recherche présentement de génitrices avec un quotient intellectuel suffisamment élevé pour repeupler la race humaine avec des gens plus intelligents. Ah, okay. Je m'offre pour être le géniteur principal. Preuve que je suis intelligent, c'est le là. Justement, je suis conscient du problème. Forcément, c'est pas une épée. Mais vous envisagez Tinder? Je suis sur Tinder. Je suis sur toutes ces applications-là. Je suis sur les réseaux sociaux très, très, très actif. J'ai plusieurs comptes, par exemple. C'est pas toujours mon vrai nom. On est très content de vous annoncer qu'en 2018, oui. On va avoir le premier Tinder humain, réel. Okay. Alors, ça va être sur la place des arts. On va détruire la place des arts. On va construire un immense Tinder. Alors, les gens n'ont qu'à se mettre dans des petites capsules. Et là, il y a quelqu'un qui va swapper à gauche ou à droite. C'est fantastique. Vous allez détruire la place des arts? Oui. Le musée des beaux-arts. Et... Mais pour faire ça, il faut qu'on ferme le métro pendant 4 ans. Ouais. Mais je pense que ça vaut la peine. On va mettre plus de Bixi, c'est tout. Ouais. C'est encore une autre excellente idée que vous avez là, monsieur Codan. Oui. Moi, c'est je pensais peut-être faire du recrutement ici aujourd'hui. Vous en parlerez à vos amis de filles. Ça se fait, c'est simple. Ça se fait en 3 étapes faciles. Premièrement, il y a l'évaluation à distance. Là, si vous voulez, vous m'envoyez vos photos. Vous m'envoyez des photos de vous, de votre morphologie. Moins il y a de vêtements, plus l'évaluation est exacte. Peut-être des body suits aussi, ça marche. Ça marche beaucoup là, la tex. J'aime bien ça aussi. On voit bien l'intelligence. Vous pouvez envoyer des vidéos, mais c'est important de pas parler à la première étape. C'est important de pas parler. Moi, je fais mon évaluation seulement sur une vieille technique ancestrale sur l'évaluation du physique. Ça peut en dire long sur le quotient intellectuel de quelqu'un. Okay. Puis après ça, moi, je vois si on peut passer à la deuxième étape. Une fois que j'ai les photos, j'évalue, puis si ça passe, ben on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est la première rencontre. Première rencontre se passe dans un resto, un cinéma, n'importe quelle autre activité du paintball. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Puis c'est les femmes, qui sont là, les génitrices qui doivent payer les frais qui vont être remboursés là un peu plus tard lors de l'adhésion officielle. C'est parce que moi je peux pas engager des dépenses. Tu sais, je prends un risque moi si je fais ça. Tu sais, je sais pas si je peux faire confiance au monde là. Moi, je sais pas si je peux faire confiance. Il y a tellement de crosseurs. Ben il y a tellement de crosseurs dans la vie. Tu sais, fait que moi je fais si je vous fais confiance, ben éventuellement je vais vous rembourser. On va pas me faire crosser. Déjà là, il y a une première possibilité pour la troisième étape. Ça peut se faire la même journée. La troisième étape, c'est la fécondation. On va y revenir un peu plus tard. Mais tu sais, dans de très rares cas, on passe directement à l'étape de la fécondation. Par contre, la deuxième étape, l'étape de la rencontre, peut être répétée jusqu'à 5 fois au besoin. Ça, c'est dépendant là, de votre capacité à vous dévoiler, etc. Et troisième étape, c'est l'étape la plus importante, c'est l'étape de la fécondation. Encore une fois, un peu comme pour la première étape, c'est important que ça se fasse dans le silence. Et puis, c'est important aussi pour le futur, pour l'avenir, que vous quittiez tout de suite après. Vous quittez, puis après ça, ben là, vous faites votre affaire. C'est parce que moi, je peux pas m'occuper là, de tous les suivis après ça. Fait que moi, je propose ça au monde. Vous pouvez me rejoindre sur Hotmail, c'est la crosse du siècle à commercial hotmail.com. .ca, excusez. Ouais, non, pas .com. .com, c'est un gars en Somalie qui va essayer, en tout cas. Fait que c'est ça. J'attends vos photos. Puis, vous autres, parlez-en à votre chum de filles. Ça va fonctionner. Votre chum de filles.
Très intéressant. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, monsieur Lacrosse. Oui. La Lacrosse, en passant, c'est à l'époque, c'était des fabricants de crosse. De bâtons de crosse. Ah, c'est de là que ça vient. Il n'y a pas de. Absolument. Non, non, c'est. Okay. C'est vous irez voir. C'est ça que mes recherches. C'est ça que mes recherches m'ont donné, moi, en tout cas. Ben, merci beaucoup. On va terminer avec Maxime qui nous a fait une nouvelle chanson. Monsieur Prader, êtes-vous familier avec la carrière musicale de Maxime Gervais? Oui, je l'ai connu à travers Murphy Cooper. C'est fantastique. D'ailleurs, on est très content de dire qu'on va construire un orchestre pour soutenir le projet musical de M. Gervais. Je suis content. Et construire un orchestre. Ben, c'est le fun. Et pour faire ça, on va détruire le pont Jean-Cartier. Ouais. Et ben, on va construire un traversier et l'orchestre sera dans le traversier. Bon, je suis très content que le traversier va pouvoir contenir 20 voitures à la fois. Ah, ça va aller vite. Alors, ça va plus tout un orchestre quand même. Détruire le pont pour ça. Bon. Ben oui, juste faire le traversier. Ben oui, ben évidemment. Surtout que le traversier va voyager dans le même sens que le pont. Écoutez, c'est ça, je vous ai beaucoup parlé de mon traitement de canal ici à des tirs. Non, ben là, il reste juste à reconstruire la dent. Fait que c'est ça, je me suis laissé prendre par la fièvre de l'inspiration. Oui. Puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle Dilaudid Bowie. Dilaudid étant mon antidouleur, un dérivé de morphine. Puis, fait que j'en ai fait une espèce de. Je dirais pas une ode à Trainspotting, là, mais disons que c'est ma chanson d'opiacé. voilà, fait que c'est un espèce de techno sur les antidouleurs les traitements de canal. Ben, on va se laisser en fait là-dessus tout simplement cette semaine. Ah, ouais, on se laisse en musique. On se laisse en musique. Oh, on fait ça cette semaine. Merci d'être venu en si grand nombre. Voilà. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Coderre. Merci Mathieu, merci la crosse, merci Maxime, oui. Merci ma mère, merci à toi. D'autres qui a appelé tantôt. Vincent, merci Étienne, merci Boldoc. On est fatigué, mais on a gagné un prix, fait que c'est pour une bonne raison. À la semaine prochaine. We are the champions.
Cette semaine, on parle d'Instagram, de Snapchat, de l'usine d'objectifs de Canon, d'intelligence artificielle, et on explique la lumière avec Rémi Saint-Onge. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 108.